Où sont-ils? Où sont Chukwugo et sa femme? Où sont-ils allés? Papa est en train de mourir à l'hôpital et ils sont portés disparus. Si c'était pour donner les ordres dans la famille... Comme fils aîné du chef à balance. Ifieba, il allait être présent. Mais maintenant, nous sommes ceux qui sont en train de courir de gauche à droite pour décanter cette situation. Je me demande si tu dois toujours bavarder. Ta bouche là doit toujours être ouverte. La situation à laquelle nous faisons face ne nécessite pas que tu râles comme tu le fais. Pas du tout. Papa est agonisé sur le lieu d'hôpital. Et tu es ici à parler du premier et du deuxième fils. Qu'est-ce qu'il va faire chez toi? Oui, papa. Est-ce que papa n'est pas en train de mourir? Papa est sur le point de mourir. Il ferait mieux de venir prendre les responsabilités du fils aîné qu'il dit être. Est-ce que tu vas la fermer? Si tu ne la fermes pas pour me permettre de me concentrer, je te jure que je te dépose. C'est ce que tu as souvent l'habitude de faire. Okay. Que vas-tu faire d'autre? Et même si tu me déposes, je vais toujours emprunter un taxi qui va m'amener où je vais aller. Ok. Obéissant deuxième fils du chef à balancer. C'est ce que je suis. C'est celui que je suis. Pardon, épargne-moi. Ferme-la si tu n'as rien d'autre. Je ne vais pas la fermer. Je demandais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? Chaque fois, tu passes le temps à me déposer en route. Je vois que tu veux vraiment descendre. Ne tente pas de le faire haut. Ah, Arise. Arise, ne fais pas ce que tu veux faire là-haut. Jobby, descends. Arise. Jump. Arise. Si tu l'ouvres encore, tu descends. Et puis quoi encore? Ouvre encore ta bouche. Tu vas voir. Il est où? Du calme. Papa est où? Papa est où? Salut. Oui, salut. Papa est... Il est en soins intensifs à l'intérieur. Le docteur prend soin de lui. J'espère que ça se passe. Essaye de ne pas paniquer. Les docteurs vont le remettre du pied. Relax. La chaise, elle vient t'asseoir. Assieds-toi. Oh! Je vois qu'elle est venue avec ta femme. Elle est avec moi lorsque j'ai reçu l'appel. Pardon. Ne t'en fais pas, papa. Papa ira bien. T'en fais pas. Bah, espérons. Comment il va, docteur? Je suis désolé. Il ne peut plus survivre. Hein? Vous devez signer quelques documents importants pour pouvoir transférer le corps à la morgue. Docteur, dites-moi que c'est pas vrai. Dites-moi que vous plaisantez. Comment? Qu'est-ce qui... Hein? Nous n'avons pas réussi. Hey! Papa, pourquoi maintenant, papa? Hey, papa, c'est pas maintenant que tu dois mourir. Hey, lève-toi, on n'y peut rien, c'est arrivé. Hey. Allez, viens. Hey. Ça va, Dieu nous réserve mieux. Mais voyons, arrête de te comporter comme un enfant. C'est rien du tout. Allez, calme-toi, c'est bon. Ça va aller. Je crois que Dieu lui réserve une place là au ciel. Ce que tu vas faire maintenant, va au domicile familial et informe maman. Et moi j'irai au village pour informer le Igwe. Ne va pas te mettre à pleurer là-bas. Hein? Mets-toi déjà l'idée que tu ne vas plus le voir, d'accord? Sois fort. Il va falloir te montrer fort pour que maman ne pleure pas trop. Ça va. Papa, pourquoi maintenant? C'est vrai. Papa, mais sois fort. Je te revois tout à l'heure en famille, d'accord? Est-ce que tu n'as pas suivi ce que ton frère a dit? Pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que tu ne vois pas qu'il se comporte comme rien n'est arrivé? Tu es le seul qui pleure comme un enfant. Tu es un adulte. Papa est mort. Il est mort. Papa est parti. C'est pas vrai. Ah, Igwe. On m'a dit que tu voulais me voir. Oui, Igwe. Je te remercie. J'espère que tout va bien.
Malheureusement pas, Igwe. Votre ami, un membre de la fraternité, Chief Justice Emenoko Abalanze, est mort. Notre pasteur est parti. Je viens de transporter son corps à la morgue tout à l'heure. Et tout comme la tradition le demande, je suis venu ici pour vous informer. Tu n'es pas habilité à rapporter ce genre de nouvelles dans ce palais. Ça n'est pas notre tradition. Je ne vous comprends pas du tout, Igwe. Le premier fils de Chief Abalanze est celui qui devra apporter cette nouvelle dans ce palais. Voilà notre tradition. Sans vouloir vous offenser, mon roi, je me dis que vous ne connaissez pas la personne qui est devant vous. C'est moi, Chibuko Abalanze. Qui? C'est moi, le fils aîné. Ça, c'est ce que ta mère t'a dit? Je suis dans ma chambre. Dieu est celui qui connaît tout. Il donne et il reprend. Où est ton frère? Je ne l'ai pas vu. As-tu de ses nouvelles? En étant ensemble à l'hôpital, il est directement allé au palais informer le roi. Il est parti? Faire quoi au palais? Pour informer le roi. Hey. Obalanze, tu ne devais pas mourir. Maintenant que tu es mort, ta mort va générer des ennuis. Ah, maman, de quel ennui parles-tu? Ton père est mort sans mettre toutes les choses en ordre. Maintenant, c'est moi qui dois les arranger. Hey! Rien ne reposera sur toi. Ok? Rien ne reposera sur toi. Tu es un enfant. Tu ne peux pas comprendre. Maman, tu me traites encore d'enfant. Maman, je suis déjà un adulte. Je suis un père de deux enfants. Tu es toujours un enfant. Grand frère, salut. Tu étais voir le Igwe. Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? La chose que tu sais. La même chose. Maman, il faut qu'on parle sérieusement. Ah, Chibuko, s'il te plaît, ce n'est pas le bon moment. Calme-toi. Maman. Je t'en prie, je ne voudrais pas lever le ton. Alors dis-moi ce que je dois savoir. Chibuko, nous venons juste perdre ton père. Ça, ce n'est pas le bon moment. Maman, je veux être au courant de tout. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Je demande à savoir, qu'est-ce qui se passe ici? Arise, s'il te plaît. Attends-nous au salon, j'ai à parler avec maman, je t'en prie. Quoi? L'assise familiale ne concerne pas les étrangers. Je fais partie de cette famille, ok? Et tu ne peux rien me cacher. Je ne peux pas rester dans les ténèbres. Qu'est-ce qui se passe ici? Arise, je te dirai tout au moment convenable. Laisse-moi une minute. Chibo, je suis dans la maison de mon père, ok? Quoi qu'il se passe maintenant, hein, je dois le savoir. Maman, qu'est-ce qui se passe? Arise, peux-tu obéir une seule fois de ta vie à ce que je dis? Mon frère, oui, si tu me parles, je vais obéir. Mais sur cette question, non. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'écoute. Chibuko! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Grand frère! J'ai le sentiment
que ce n'est pas seulement la mort de papa qui te dérange. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Rien? Tu veux pas me dire? Je viens de perdre mon père. Je crois que c'est assez pour sentir cette solitude. Nous savons tous que papa est mort, il est dans nos cœurs. Depuis un bon moment maintenant. Et celui qui nous disait que si papa finit à mourir, nous ne devons pas pleurer, mais plutôt penser à comment maintenir son héritage. Alors, pourquoi es-tu le premier à baisser les bras? Peut-être je n'ai jamais vraiment compris ce que sa mort pouvait signifier pour moi. Peut-être tu ne veux pas exactement me dire ce qui se passe. Est-ce que la mort de papa a une signification? Pour tout le monde. Et toi? Alors, pourquoi sa mort a-t-elle une signification différente pour toi maintenant? Chérie, dis-moi ce qui ne va pas. Tantine, tu es la seule personne qui peut me dire la vérité dans ce problème. Kibogo, quel est ce problème qui est plus important que la mort de ton père? Tantine, mon père est parti, il est parti, il est mort. Il est parti et ne peut pas revenir, ça c'est vrai. La chose la plus importante maintenant, c'est nous, ses enfants qui vivons encore. C'est vrai, c'est arrivé. Nous devons avancer et laisser ça derrière nous. Oui, tu as raison. Alors, quelle est ta question? Qui est le premier fils de papa? Quel est ce genre de stupide question? Tantine, je t'en prie au nom du Seigneur, ne me mens pas, s'il te plaît. Est-ce que papa a eu un autre fils dont je ne suis pas au courant? Et si c'est vrai, qui est cette personne? Où est-elle? Ton père, à ce que je sache, n'a eu qu'une seule femme. Il n'a pas épousé une autre femme. Et sa femme ne lui a donné que deux fils. Et elle n'a plus accouché un autre enfant. Kibogo est Arinze. Et Kibogo est le premier fils du chef Abalanze. Tantine, tu es en train de me mentir. Tu n'es que mère. Quel profit j'aurai à te dire? Oui, puisque le Igwe m'a dit une chose différente. J'ai posé à maman la même question. Et du coup, son visage me montrait qu'elle était tellement embarrassée. Comme si quelque chose n'allait vraiment pas. Il y a quelque chose qui est en train de m'échapper. Quelque chose se passe. Qui est cette personne? Où est-elle? Ou alors, dois-je prendre cela comme si tu ne veux rien me dire? Kibogo, je serai la dernière personne à faire partie d'une tradition pour moi qui n'a aucune valeur. Je te le jure sur ma vie. Que ton père n'a eu aucune autre épouse, autre femme, ou aucun autre enfant ou maîtresse. Nulle part d'autre dans ce monde. Tu es son premier enfant. Et de quelle tradition parles-tu là? Rien vraiment d'important. Ne permets pas que quiconque te prive de tes droits. Tu es le premier fils à ton père. Okoti, prends soin d'eux, ça va aller. Nous n'avons pas réclamé ce qui ne nous appartient pas. Nos vies ne nous appartiennent pas. Le propriétaire de nos vies a repris ce qui lui appartenait. Et il n'y a rien que nous puissions faire à propos. Oh, ça ira. Merci. Merci beaucoup. Okoti, je suis vraiment désolée. Ce n'est qu'une question de temps et ça passera. C'est toujours très difficile de passer par ces moments. Je suis vraiment désolée. D'accord?
Merci beaucoup. Merci. Ogodia, je devrais déjà être en train de rentrer au village. Et je merci beaucoup de venir consoler les tiens. Mon Dieu te bénira. Amen. Amen. Loïgo et toi également envoyé un message. Dis à ce Hugo que j'ai dit. Chut. Accorde-moi quelques secondes, Nadia. Veuillez m'excuser quelques instants. Ton mari faisait partie de la fraternité Djinéguiri du royaume de Goma. Je le sais. Et par conséquent, la coutume et la tradition demandent que, après sa mort, son premier fils devra aller voir Igwe annoncer la nouvelle du décès pour que les premiers rituels soient faits avant qu'on ne l'enterre. Et Loïgo a dit que son premier fils ne s'est pas encore présenté là-bas. Qu'est-ce que vous attendez? Tout ce que je veux maintenant, c'est enterrer mon mari en paix. Et prendre soin de la famille qu'il a laissée en paix. Je ne permettrai pas que toi et tous les anciens veniez dans ma famille pour détruire la paix pour laquelle mon mari et moi avions travaillé très dur pour bâtir. Kibugo est mon premier fils. C'est ça la vérité. Et il allait annoncer au Igwe la mort de son père. Ce n'est rien d'autre que la folie de se mentir à soi-même, madame. Je ne mens pas à moi-même. Kibugo est mon premier fils et vous le savez tous. Je crois qu'il est temps d'arrêter cette discussion. Je n'aimerais pas que mon premier fils vienne ici et nous trouve en train de discuter à ce sujet. Dis au Igwe ce que j'ai dit. Salut. Les coutumes et les traditions du grand royaume de Douma ne sont bafouées par personne. Les dieux sont sages. Ikie Apa, je vous assure que je ne comprends rien à ce que vous dites. Peu importe ce que le papillon pense de lui-même, il ne constitue que le pain de l'oiseau. Et qui est le papillon? Tu es le papillon qui croit être l'oiseau. Les calamités frapperont la famille balancée si vous refusez de faire ce qu'il faut. C'était toi. Arusé. Pourquoi était-il aussi en colère? Tu comprends pas. Je peux pas te répondre. Honnêtement, je sais pas. Ces gens me rendent tellement confus. Et j'aurai la solution à ce problème aujourd'hui. Je l'aurai. De quoi parles-tu? Maman doit nous parler de quelque chose. Quoi? Pour nous dire quoi?
Igwe m'a dit que je ne suis pas le premier fils de papa. Quoi? Exactement comme tu l'as entendu. Notre roi a dit que je ne suis pas le premier fils de papa. Il m'a dit que maman est au courant de tout. C'est pourquoi je suis là. Elle doit tout nous dire aujourd'hui. Aruise, il est temps que nous nous mettions ensemble comme une seule famille afin que nous soyons capables de résister à toutes les difficultés qui pourront être les nôtres. Je vous en prie, mes enfants. Maman, qui est le premier fils de papa? Oui, maman. Même question. Si papa l'avait mis hors de sa vie et que les notables pensent que nous allons nous asseoir, croiser nos bras et regarder un étranger s'accaparer des biens de papa, maman, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas parce que papa ne l'a jamais dit à l'un d'entre nous de toute sa vie. Et je suis sûr qu'il ne faisait pas partir des intentions de papa. Écoutez, mes enfants, votre père était un traditionnaliste. Il ne croyait pas aux dernières volontés et il n'y a jamais rédigé. Oui, en ce qui concerne nos coutumes et nos traditions, les propriétés de votre père vous reviennent normalement. Mais ces propriétés seront partagées par le Igwe et à tous les anciens. Oh, maintenant je vois. Maintenant je comprends. Oh, maman, c'est pour cette raison qu'ils veulent introduire un étranger. Un vrai étranger et nous le présenter comme le premier fils de papa pour qu'il puisse s'accaparer de tout, tout ce que papa avait. Maman, cela n'arrivera pas. Je dis que ça ne marchera pas, pas du tout. Arrêtez. Ce n'est pas un étranger. Qui est-il donc, maman? Qui est-il? C'est Arrêtez, c'est ton frère. Qui? Chiboko. En ce qui concerne nos coutumes et nos traditions, ton jeune frère Arise est le premier fils de ton père. De quelle tradition me parles-tu, maman? Quel est ce genre de tradition qui ne respecte même pas le temps et les saisons? Quel genre? Ceci n'a vraiment aucun sens pour moi. Chibugo. Ceci a commencé il y a 8 ans. Go, qu'est-ce qu'il y a encore ce matin, non? Je suis enceinte. Tu es quoi? Tu m'as entendu? Mais c'est pas une bonne nouvelle du tout. J'ai essayé de me protéger. Le seul moyen que nous avons, c'est de faire apporter ce bébé. Quoi? Attends, Justice. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Écoute, il faut que tu apportes ce bébé. Impossible. Mais pourquoi tu me fais ça? Tu as promis de m'épouser. Oui, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle nous devons apporter ce bébé. S'il te plaît, écoute, je suis juste venue afin que nous fassions notre plan de mariage. C'est simple, en ce qui concerne ce bébé, je ne veux pas l'avorter. Même si tu ne veux pas, m'as-tu entendu? Écoute, je ne veux pas le choix que d'avorter ce bébé. Je sais, s'il te plaît, tu dois faire quelque chose. C'est quoi? Non, je m'appelle. Ougom. Ougom. Aïe. Ougom, essaie de me comprendre cette fois-ci. Tu dois te débrouiller. Parce qu'il n'y a vraiment personne qui puisse me faire changer d'avis. Justice, la pire des choses que tu puisses me faire maintenant,
c'est de m'enceinter et m'abandonner. Et ça ne me fera pas changer d'avis. Mais essaie de m'écouter au moins. Je t'écoute. Mon père est un membre de la fraternité du Igwe. Et c'est le premier fils. Ce qui fait qu'il m'a déjà choisi pour le représenter après qu'il soit mort. Et étant un petit membre de la fraternité du Igwe, je n'ai le droit d'enceinter aucune fille avant d'avoir payé sa dot ou de l'épouser officiellement. Regarde-moi, Justice. La grossesse ne se voit pas. Comment sauront-ils que je suis enceinte si on ne leur dit pas? S'il te plaît. Tu veux que nous brisons cette vieille et sacrée allégeance? Et si nous mentons, le Igwe va nous tuer tous les deux. Alors tu dois choisir entre moi et cette fraternité de HB. Bien sûr que tu sais que c'est toi que j'aime. Alors oublie cette fraternité de HB. Oublie ça, s'il te plaît. Vivons ensemble et soyons heureux. Non, je ne peux pas décevoir mon père. Et je sais que cette fraternité est un rêve pour chaque jeune homme de ce royaume. Je ne peux pas gâcher ça. S'il te plaît. Justice. Justice, si tu m'aimes vraiment, choisis-moi. Ugom, Ugom. Mon fils. Père. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Être un Ijebri dans le royaume d'Andoma est un privilège. C'est l'appellation la plus considérable dans ce royaume. Le Igwe a sa véritable valeur si les Ijebri sont avec lui. Une fois qu'ils ne sont pas avec lui, celui-ci occupe simplement un trône vide sans pouvoir. Donc, tout membre d'Ijebri dans le royaume de Doma est une dynastie royale. Père, merci. Tu dois pas choisir de te représenter comme un Ijebri de la fraternité. Tu dois remercier les dieux d'avoir fait de toi mon premier fils. Mais père, il y a quelque chose que je voudrais demander. Je t'écoute, mon fils. Père, tu as dit qu'en tant que membre de Ijebri, je ne dois accepter aucune fille avant de l'avoir épousée. Exactement. Le fait d'être devenu un Ijebri, tu es devenu un membre de la coutume et la tradition. Et par conséquent, tu dois être la représentation du bien en permanence. Mais père, je t'en prie, il n'y a rien qui puisse être fait si je suis amoureux d'une femme qui est déjà enceinte de moi. Et je voudrais l'épouser en tant que Ijebri. Maintenant, écoute. La seule chose qui doit être faite, c'est d'accepter le fait que ce premier enfant qui vient, sans que tu aies payé la dot de cette fille, n'est pas du tout l'aîné. Il est une erreur. Oui, ton premier enfant naît après que tu aies réellement et officiellement payé cette dot. Mon père, qu'arrivera-t-il au premier bébé? Tu peux bel et bien l'accepter comme premier enfant. Mais il n'a aucun droit. Je reprends. Il n'a aucun droit sur ce qui t'appartient. Non. Il est considéré comme esclave. Oh, père. Oui, même s'il fait partie de ton sang et de ta chair. Simplement parce qu'il est une erreur et non ta vraie représentation. Je vois. Justice. Pourquoi n'oublies-tu pas ce rêve de Ijebri afin que nous menions une vie paisible? S'il te plaît, mon amour. Je peux pas. Tout le monde aime le pouvoir et l'honneur. Et les degrés représentent le pouvoir. Ugom, tout ce qu'on a fait, c'est d'accepter ce bébé comme une erreur. C'est notre dernier espoir. Alors, et qu'en sera-t-il de lui? Rien ou... Que ce soit il ou elle, nous traiterons ce bébé de la même façon que nous traiterons les autres bébés. Et pas trop mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire, l'accepter, mais c'est une erreur? Rien. Ça nous permet juste de garder nos traditions et nos cultures. C'est tout. Ça va. Ok. Chibuko, ton père n'avait jamais su ce que ça signifiait de t'accepter.
comme une erreur. Nous t'avions accepté comme une erreur. Juste pour nous de se marier et de vivre ensemble. Et parce que nous nous aimions tellement. Après notre mariage, votre grand-père est décédé. Et votre père a été initié dans la fraternité de Djiribri. Et c'est juste après ça que nous avions réalisé, que nous avions fait la plus grave erreur de nos vies. Djibougo, nous t'aimions tellement comme notre premier fils. Nous aimions aussi ton frère, spécialement au moment où il est venu. Parce que vous étiez deux. Quel que soit le niveau d'amour que nous avions eu pour vous les enfants, peu importe combien nous avions essayé de vous éloigner de la vérité, la vérité reste la même et la justice est ici dans nos cœurs. Une grave erreur avait été faite. Ah, tu es là? Tu es rentré? Tu sembles inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Prends place. Quel est le problème? Le Djigibri demande d'avoir mon successeur dans la fraternité. Et il me demande de faire venir mon premier fils. Et? Tu ne comprends pas. Ils n'accepteront pas Djibougou comme notre premier fils. Ils me demandent d'amener à Ruiz comme mon premier fils, tu vois? Tu veux dire qu'après toutes ces années, la fraternité de Djibri s'en souvient? Djibri est secret. Il n'oublie rien comme ça tout d'un coup. C'est spirituel. Très très spirituel. Ok, alors que vas-tu faire maintenant? Honnêtement, pour te dire, je suis très confus. Et c'est mon premier fils. Comment vais-je le déshériter à cause d'une stupide tradition? Hein? Je n'arrive même pas à imaginer ça. Comment vais-je commencer pour expliquer à Djibougou que nous l'avons accepté comme une erreur? Tandis que Bino, son jeune frère, est notre premier fils. Mais non, tu ne peux pas leur dire ça. La fraternité de Djiribri devrait comprendre que dans cette vie, avoir les enfants ne signifie pas qu'ils doivent suivre nos traces. Comment gérer? Après tout, Djibougou est notre premier fils, n'est-ce pas? Ce qui veut dire? Si la fraternité vient pour détruire cette famille que nous nous sommes efforcés à bâtir, qu'elle s'en aille. Nous ne pouvons mettre ces enfants dans un pétrin qu'ils ne pourront pas comprendre. Mais chérie, Djibougou est notre premier fils. Ogodia, ça n'a pas l'air aussi simple que tu peux le voir. Hein? Il est notre premier fils. Nous devons faire quelque chose par rapport à ce problème maintenant. Et que veux-tu faire par rapport à ça? Allez le présenter à Rinze. Et que dirions-nous à Djibougou? Ça, c'est vraiment le gros problème. Alors, il faudra faire quelque chose. Ogom, tu sais que je ne devrais pas être un Allemand. S'il arrive que je meure demain, celle-ci apportera beaucoup de problèmes. Oh, mais Chief, tu ne vas pas mourir aujourd'hui, demain ou après-demain. Alors pourquoi veux-tu penser à la mort? Résolvons ce problème. Je ne veux pas quelque chose qui va apporter la haine entre nos deux fils. Biko, résolvons ce problème. Tu ne vas pas mourir maintenant.
Oh. Il a fait. Ce n'était pas facile. Comme il avait dit. Mais maintenant, je comprends mieux. Alors, maman, cela signifie que Arise prendra la place de papa dans la fraternité, comme étant le premier fils de cette famille. Chibuko, ça, ce sont nos coutumes et nos traditions. Mais je... S'il te plaît. Na, Chibuko. Mon frère. Chibuko. Mon frère. Hey, Chineke. Hey. Je n'ai aucune idée de ce que tu parles. Je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Chibuko est mon frère. Il est mon grand frère. Et il restera mon grand frère. Avec tradition ou sans tradition. Chibuko est un grand frère. Timo. Qu'est-ce que Chibuko a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, il est juste parti. Il n'a rien dit? Bien, c'est parce qu'il n'a rien à dire. Après tout, c'est un lâche. De quoi parles-tu? Eh bien, toi et moi savons qu'il est une victime de la tradition et tout ce qu'il mérite de nous, c'est la pitié. Margaret, que veux-tu dire par là? Tu sais qu'il a passé son temps à aller à gauche à droite. Disons aux gens qu'il est le premier fils du chef Agwanze. Maintenant qu'il est au courant de la vérité, c'est pourquoi il mérite notre pitié. Tu conviens avec moi? Qu'est-ce que ça veut exactement dire? Tu perds ta tête au bois. Oh non, 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 non. Je n'ai pas perdu la raison. Essayes-tu de me dire qu'après que tu as entendu la vérité venant des gens, tu veux continuer à croire qu'il est le premier fils de ton père? Margaret, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas d'humeur à supporter ton sale bavardage. Quoi? C'est une insulte, le sais-tu? Mais tu sais quoi? Je ne vais pas riposter uniquement parce que tu es mon mari. Il n'y a rien comme stupidité, voyons, chérie. Nous sommes ceux qui sont favorisés et personne ne peut rien contre ça. C'est ça? Même pas cet amour que tu dis, que tu éprouves pour ton frère. Margaret, peut-être c'est le moment opportun pour toi de jouer le rôle du mari. Et moi, le rôle de l'épouse. Écoute, chérie, nous ne sommes pas en train de parler d'une affaire de mari ou de femme ici. D'accord? La tradition. Le peuple nous a acceptés. Le Igwe, je voudrais dire le roi. Et puis les anciens. Qui sont garants de cette tradition? Ils nous ont choisis et personne ne peut rien contre ça. Je m'en fous d'une quelconque menace émotionnelle. Et qui t'empêche d'accepter ce qu'on est en train de nous offrir? Et rappelle-toi, chérie, la personne que Dieu a bénie, personne ne peut maudire. Et surtout pas ton frère. Il ne peut rien faire, rien du tout. Que tu le veuilles ou pas, c'est simplement la vérité dont vient. Mmh.
Viens. Touche. Viens, chérie. Viens manger. J'ai pas faim. Chérie, quelque chose te tracasse terriblement. Tu dois l'enlever de tes pensées. Tu n'as rien voulu manger depuis que tu es rentré de la maison familiale. S'il te plaît, viens manger. D'accord? Tu dois manger quelque chose. Chérie, je ne suis pas un enfant. Si j'avais faim, je te l'aurais fait savoir. Je serais venu manger. J'ai juste besoin que tu me laisses tout seul. Chérie, je suis non plus une petite fille. C'est contre mon cœur tout ça, de laisser mon nom à ma famille. Quelque chose te tracasse terriblement. Et j'aimerais vraiment que tout aille le mieux. Je t'aime vraiment. Viens manger, d'accord? Viens. Je t'aime. J'ai jamais suivi quelque chose de ce genre dans ma vie. Moi aussi. Chérie, ne t'inquiète pas. Dieu reste Dieu. Bien sûr que je ne suis pas inquiet. Aucun homme, aucune femme, aucune tradition, aucune éternité. Personne ne peut me séparer de la maison de mon père. Personne. Je remercie Dieu d'avoir eu un père pareil. Je remercie Dieu du fait que je sois le premier fils. Alors je vois pas pourquoi je dois m'inquiéter. Parce que j'ai entendu dire que s'il arrive qu'il soit l'aîné, il aura la possibilité d'avoir tout ce qu'il voudra. Mais jusqu'à maintenant, rien ne s'est passé. Je n'ai donc pas à m'inquiéter pour cela. Personne n'arrachera mon droit d'aînesse. Jamais. Dieu est un Dieu de justice. Et ton père croyait tellement en la justice. C'est vrai. Tellement ce qu'on appelle justice. Et la justice va s'en occuper. D'accord? Ne t'inquiète pas, d'accord? Théodia, qu'as-tu fait du message que je t'ai confié? Oui. God vient m'a chargé de vous dire à vous et à la fraternité. Et je voulais tout entière de laisser sa famille tranquille. Qu'aussi longtemps qu'elle sera concernée, cette erreur d'enfant demande son fils aîné. Ça, c'est une stupidité absolue. Ce que ce monsieur avait de notable, qu'est-elle? Franchement parlant, elle n'a rien dit de bon que des bêtises. Pense-t-elle qu'elle est plus sage que tout le monde ici? Ou alors qu'elle est plus sage que nos ancêtres qui ont institué Ijibri et les règles qui la guident? Je le lui ai dit. Je le lui ai dit, mais elle est restée ferme à ce sujet. Qu'allons nous faire face à ce problème maintenant? Le chef Abalaz est déjà mort et doit être enterré. Alors, qu'allons nous faire maintenant? Igwe, la vérité reste que la coutume et les traditions du grand royaume Idouma, personne ne les font. Le corps de Abalaz n'aura aucun repos à moins que son premier fils ne vienne pour effectuer les rites dans la fraternité des Jibiré. Cette femme, une chose qu'on appelle femme, ne peut sortir de nulle part pour venir changer nos règles contre la leur.
Non. Oui, Goué. La fraternité de Djebri n'est pas celle des enfants. Abalanze ne sera pas enterré. À moins que le rituel et les rites ne soient faits par le premier fils, Arimse. J'ai fait appel à vous ici pour que nous ayons un même avis. J'aimerais que nous fassions tout ensemble, avec un même cœur, et que nous parlions d'une seule voix. Écoutez mes enfants, si nous parlons d'une seule voix, aucune arme forgée contre nous n'aura d'effet. Unis nous sommes debout, divisés nous tombons. Et si nous sommes ensemble, même les conséquences de la tradition ne pourront rien contre nous. S'il vous plaît, hein? Nous savons tous que votre père était un membre actif de cette fraternité. Alors, il est normal que ce soit cette fraternité qui l'enterre, selon nos coutumes. Et cela se passe si seulement le premier fils exerce ses droits et tous les rituels. Voilà pourquoi je vous ai appelé pour vous demander. Qu'allons-nous faire? Maman, nous n'avons pas trop d'options pour ce problème. Lorsque les Djeribiri m'acceptent comme le premier fils de papa, s'ils font ça pour papa, tout le monde sera content. Aussi simple. Tibougo, pourquoi s'ils n'acceptaient pas? Vas-tu enterrer ton père? Ah, ma maman, je sais pas de quoi tu parles. Hein. S'il refuse de l'accepter, nous ne resterons pas. Parce que personne ne va me déshériter. Ok, je vais me battre. Le corps de papa va être enterré. Aussi longtemps qu'ils ne l'accepteront pas, il restera là. Chibougo, qu'est-ce que tu essaies de dire? Essaies-tu de dire que même cela prend tout un an, papa restera à la manque? Même si j'utilise la force, le corps de papa restera là aussi longtemps. Oh non, 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 Abba, non, tu ne peux pas parler comme ça, non, tu ne peux pas parler comme ça. Nous devons enterrer papa. Papa doit être enterré. Allez réfléchir, papa doit être enterré. Tu ne peux pas raisonner comme ça. Chibougo, hein? S'il te plaît. Ah. Chut, arrête. Il faut qu'on l'enterre. S'il te plaît. Si tu veux enterrer papa, j'ai l'air de m'accepter moi, Chibougo Abalanze, comme étant le premier fils de Tifu Abalanze, aucun contraire. Le corps de papa ne sera jamais, jamais enterré. Chibougo. Non, non, non. Maman, c'était là mon dernier nom. Chibougo, Chibougo. Qu'on ne doit pas tirer notre père. Ce n'est pas ce que j'essaye de dire. Quoi là? Ce que je veux, c'est tout simplement enterrer mon mari en paix. Je ne veux vraiment pas que cette chose détruise la paix dans cette famille. Je veux dire, tu veux remplacer ton grand frère? Je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux? Maman, ce que j'essaye de dire, c'est que trouvons un moyen de convaincre ces gens pour que nous puissions enterrer notre père. Mais qu'est-ce que les gens penseront?
À quoi penseront-ils lorsqu'ils entendront que notre père resta à la morgue pendant un an, une année entière? Maman, allez, on ne peut rien d'autre offrir à papa qu'un enterrement digne de ce nom. C'est ce que nous lui devons et nous ne pouvons pas lui refuser cela. Oui, nous ne pouvons pas enlever ça, je n'ai pas dit que je le ferai. Mais ce que je veux dire, c'est que la fraternité d'Ibri doit laisser cette famille tranquille. Qu'il laisse vraiment cette famille être indépendante comme elle a toujours été. Oui. Pardon. Oui, maman, je sais que c'est ce que tu veux, mais toi et moi savons bien que la mort ne prévient jamais. C'est trop tard. Tout ce que nous devons faire, c'est de chercher à convaincre ces gens pour qu'ils comprennent que nous devons enterrer notre père. Maman, papa avait ce lien. Il avait ce lien avec la fraternité et Djibril. Le même lien qu'il avait avec nous. Donc, maman, tout ce dont nous avons besoin, c'est de chercher à convaincre ces gens pour que nous puissions enterrer notre père. C'est tout ce que je dis. Je n'essaie de déshériter personne. C'est pas ce que je veux. C'est quoi ces pensées bidons? Je comprends même pas. Pourquoi Thibaut a osé dire une telle chose? Ahmed, j'étais vraiment surpris. J'étais surpris quand je l'ai entendu parler ainsi. Ceci fait preuve d'égoïsme. Qu'est-ce qu'il veut? Tout ce qu'il veut, c'est que son père ne soit pas enterré pour qu'il puisse réclamer la position du premier fils. Ce n'est pas de ta faute. Hmm? Est-ce que cela est de ta faute? Que Dieu t'ait choisi comme premier fils du chef à balancer. Je ne sais pas. Est-ce que c'est toi qui as demandé au chef d'établir ces lois? Ça m'étonne, non. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Exactement. Tu sais quoi, chérie? Si tu étais à sa position, je suis sûre qu'en ce moment, il t'aurait sûrement régné. Mais tu passes le temps à jouer au garçon gentil. Mais écoute-moi, je pense que ton temps est arrivé à Rinze. Dieu t'a établi en tant que le premier fils du chef à Balanze. Et personne n'y peut rien contre cela. Tu dois te lever et combattre. Ne laisse pas que quelqu'un t'arrache ta position de premier fils. Tu sais quoi, en réalité, je ne veux pas qu'on pense que j'ai été très rapide, que je n'attendais que ça. Écoute, Abalanza était mon père, ok? Et je reste son premier fils, tradition ou pas tradition. Ou les anciens acceptent la vérité, ou alors ils nous mettent hors de la tradition et tout le monde trouve son compte. Mais chérie, ton père a vraiment besoin d'être enterré, quand tu regardes les deux côtés. Hein? Que je fasse quoi? Non, dis-moi, que je fasse quoi? As-tu perdu tes sens? Hein? Tu veux que moi j'accepte un rusé? Un garçon que j'ai dépassé de 4 ans? Tu veux que j'accepte qu'il soit le premier-né? C'est ça que tu veux? Alors qu'est-ce que j'ai dit? C'est pour maintenant. Seulement maintenant tu devras accepter ça. Ne me touche pas! Non mais entends-moi ça. Écoute, ma position dans cette famille en tant que premier-né est beaucoup mieux que tout genre d'enterrement qu'on veut faire à papa. Papa est parti, d'accord? Papa Anako, qu'on l'enterre ou qu'il reste à la mort, qu'on le momifie ou quoi que ce soit, il est parti, point barre. Mais ma position dans cette famille reste inchangeable. Tout ce que je fais aura des conséquences dans des générations, alors je ne dois faire aucune erreur. Compris? Alors ne me raconte pas des conneries là. Sache que je ne suis pas content. Ne t'en vas pas, viens. Mon frère était un homme de paix. Et je crois que ce même esprit de paix qui était en lui est aussi en vous. Alors ne permettez à personne, ni à la tradition, ou quel qu'en soit le problème, faire outrage entre ton frère et toi. Je t'ai entendu, Tata. C'est compris. Tata, je ne planifie pas déshériter mon grand frère Thibaut. Il est le fils aîné, sans doute. Nous savons tous que Chiboko est celui qui doit hériter des choses de papa. D'accord. Bien. Mais Tata, tout ce que je veux, c'est qu'il me permette d'aller me présenter à cette fraternité. Pour que papa soit enterré. Nous devons enterrer papa. Il faut qu'on l'enterre. Tata, après l'enterrement, après tout cet orage, il pourra se lever et continuer à réclamer ce qu'il veut réclamer. Je n'aurais rien à discuter avec lui. Tata, comme tu le sais, je suis à l'aise.
Ma famille et moi sommes très, très à l'aise. Je n'ai rien à discuter avec quelqu'un. Et je ne compte même pas déjà le faire. Arrêtez, mon fils. Dans ces genres d'histoires délicates, on ne tire pas très vite les conclusions. Aller à Ndiembiri pour te présenter rendra encore les choses plus délicates. Et qu'est-ce que tu essaies donc de dire? Je ne te comprends pas. Hein? Qu'on abandonne papa à la banque? Hein, Tata, c'est ce que tu insinues? Tout ce que je veux, c'est que nous restions fermes. Et finalement, ils seront d'accord avec nous. Et l'affaire sera close. Donc, s'il te plaît, ne te précipite pas, mon fils. Est-ce que tu m'écoutes, s'il te plaît? Ok. Ça va. Ça va. Merci beaucoup. Mon fils, il faut me saluer ta femme. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Salut ton mari pour merci, moi. Merci. Achète quelque chose. Bah, merci ça. Beaucoup. Mon merci, frère. Merci. Bienvenue, mon frère. Salut, Tantine. Comment va ta femme? Bien. Bonjour, grand frère. Tantine, souvent te voir, il faut qu'on parle. Bien. Ton frère te salue. Il est où, mon frère? Quoi? Chibou. Fais très attention quand tu t'adresses à moi. Il n'ose même plus jamais appeler mon nom. Ça qui commence. Ne te fâche pas, oh. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Chibogo. Chibogo. Quelle est la signification de cette action que tu viens de poser là? C'est assez clair, non? Comme ça, mon petit frère a ruisé un en train de battre sa campagne. Cherchons les gens qui pourront le supporter pour m'arracher mon droit de naissance. Pourquoi? Comment oses-tu dire une chose pareille? Tu penses qu'aussi bête, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main là? Il t'a donné de l'argent, j'ai bien vu, t'as donné de l'argent. Et c'est pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est seulement venu me dire qu'on doit enterrer ton père au lieu de continuer à laisser son cadavre dans la mort comme tu l'as suggéré. Ah! Alors pourquoi ne pas au village? Autant mieux aller une fois au village, se présenter au Igwe pour que le déclare comme premier fils. Pourquoi pas? Bien, il a seulement suggéré que nous devions tous faire semblant. Maintenant, jusqu'à ce que nous enterrons ton père. Et après tout cela, tu resteras toujours le premier fils. J'ai l'impression que vous me prenez comme un fou, vous tous là. N'est-ce pas? Pour vous, je suis un fou. Ton Dieu, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Et je te le dis, je ne suis pas un prétentieux. Je ne le suis pas. Je me tiendrai sur mes deux pieds pour combattre ces Français jusqu'à ce qu'elles soient correctes. Peu importe le temps que ça prendra. Parce que je suis le premier fils de Tiff à Balancé. Je ne suis pas une erreur, mais un fils légal. C'est ça que je suis venu te dire. C'est ça que je viens de te dire. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Donc Chibogo, ton frère, t'a regardé en face et t'a posé la question si vraiment tu es son frère. Et c'était pour lui que tu combattais, pour protéger. Tu t'imagines que mon frère de sang Chibogo, s'adresse à moi durement. Tu t'imagines? Et tu continues à l'appeler ton frère. D'accord chérie, laisse-moi te dire ce que tu ne connais pas. Qu'on parle des affaires comme ça. Je veux dire des affaires qui concernent de l'argent, la richesse et l'héritage. On ne parle plus de relations. On ne parle plus d'affaires de maman, frère ou même une sœur. Hein? Et c'est exactement ce qu'il te montre. Je pense que j'ai toujours ignoré tout ce que tu dis ici. Je pense que c'est le moment idéal de considérer ce que tu dis. Et je prendrai désormais au sérieux ce que tu dis. S'il te plaît, chérie, tu ferais mieux. Charity passe toujours le temps à dire à son mari quoi faire. Elle passe le temps à dire à Chibogo de combattre pour son droit. Et Chibogo va accepter ce qu'elle dit. Mais quand c'est à mon tour de conseiller mon mari ne veut même pas m'écouter. Chérie, c'est mieux que tu combattes pour nous maintenant. Oh. Sinon, tu ne sais pas ce que ces gens planifient derrière nous. Tu t'imagines? Tu as raison. Je pense que je me suis battu pour une cause
que personne ne reconnaît. Je le regrette. C'est ça, mon chéri. Honnêtement, maman, je ne comprends pas ça. Crois-moi, Awad Aromia. Comment est-ce que mon propre frère, mon frère de sang, ça va chercher des gens pour le soutenir? Pour qu'il aide à m'arracher mon droit de naissance? Pour semer la confusion dans cette maison, je ne comprends pas. Kibougoumé, c'est comment? Prends ça doucement. Mais tu es aveugle. Cette chose est en train de détruire cette famille paisible. Tu es l'aîné dans cette maison. Mon premier fils. Les aînés sont doués de patience et de sagesse. Et ce que tu devrais chercher maintenant, c'est l'unité de cette famille et non tes droits. Gagne ton frère avec sagesse, s'il te plaît. Ou tu vas le perdre complètement, je t'en supplie. Bikonou-moi. Oh, Arise, tu es là. Bonjour, maman. Je suis venu t'informer que je m'en vais au village. Je m'en vais comme ça informer Ikoué et Ijeburi de faire le programme du deuil. Pardon? Hein? Hé, hey, ça sera sur mon cadavre. Tout le monde entendu, c'est sur mon cadavre qu'ils vont le faire. Tu devras d'abord me tuer avant de prendre ce que tu veux tant. Crois-moi, ça ne se passera pas. Parce que dans toutes les familles, il y a toujours un premier-né. Et le deuxième, c'est le cadet. Mon agabotima. Tu m'entends? Mon agabotima. Chibougo, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu vas vraiment le regretter. Maman, je ne regrette pas. Tu vas le regretter. Je connais le plan de ce garçon et ça ne va pas marcher. Tu vas le combattre. Oh, tu as plein à me combattre. Hein? Chibougo, tu as plein à me combattre. Laisse-moi te dire, si tu veux combattre, va combattre ton Dieu, non moi. Je ne cherche à réclamer ce qui me revient de droit. Écoute-moi bien. Tu n'iras nulle part. Maman, regarde mon grand frère. Regarde bien mon frère aîné. Pourquoi se comporte-t-il comme un idiot? Hey. Hein? Pourquoi agit-il comme un enfant? Hey. Oh, à cause de bien. Hein, Chibougo? Maman, parle à ton fils. Arrête. Parle à ce garçon. Si tu l'insultes encore, c'est ici même que je te montre. Arrête. Tu ne me feras rien faire. Tu ne me feras rien. Ouais. Si tu es un homme, viens ici. Hein? Je vais te donner un chien. Je verrai ce que maman, je vais faire. Je vais faire du mal. Maman, parle à ce garçon. Tu verras ce que je vais faire. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Arrêtez. Tu vas rien faire. Tu peux me faire quoi? Arrêtez ça. Arrêtez. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez bagarrer dans la maison de votre père? Vous avez perdu vos têtes? Vous êtes fous? Akbalamze, où es-tu? Oh, s'il te plaît, que ce problème se résolve entre mes enfants. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Et que mes enfants arrêtent de se disputer et se bagarrer, s'il te plaît. Abalancé, il faut que tu reviennes. Le feu sera éteint et arrêtera de brûler. Que tu reviennes rapidement avant que ça ne consume la famille entière. Oh, je suis confuse, vraiment très confuse. Obele mwana mwili enu obige shiki keki. Bonjour monsieur. Non, cette matinée n'est pas du tout bonne pour vous. Que me vaut l'honneur de cette étrange visite? Ijiribiri du royaume Odoma. La pierre du feu remis au fils par le père ne peut jamais brûler ses mains. Elle ne lui a pas été remise pour brûler ses doigts, mais plutôt pour lui montrer la lumière dans les ténèbres. Ça, je le sais. Je suis au courant de cela. Et pourquoi méprises-tu dans la personnalité de ton père? Pourquoi portes-tu la honte sur sa personnalité? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce qui est juste? Je n'apporte aucune honte en ce qui concerne mon père. Je n'attends que le moment idéal pour me présenter. Le moment idéal a fait son temps et s'en est allé. Nous sommes en retard sur cette question. J'ai besoin du temps. J'ai besoin de temps pour essayer d'arranger les choses avec ma femme. La seule famille que ton père avait, c'est toi. Pourquoi penses-tu que tu peux combattre avec un étranger sur l'héritage de ton père? Et Jeribri te donne 3 jours. 3 jours à partir de maintenant.
Si tu ne fais pas ce qui est juste, ils considéreront qu'Abalanzé n'avait pas de fils. Et nous le traiterons comme celui qui est mort sans enfant. 3 jours à Renzé. See this life where you see my brother no be peace. Everything you see has another side. What you calling why could actually be black, my brother. Mon Dieu, je te remercie. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, tu as dit que les enfants hériteront leur père. Mais une bénédiction pour leurs parents. Et ta bénédiction est sans chagrin. Dieu, tu m'as donné Kibungo et Arise comme bénédiction dans cette famille. Ils n'apporteront jamais les soucis dans cette maison, Seigneur. Père, je m'accorde avec toi pour arrêter ces enfants. Père, s'il te plaît, je viens auprès de toi afin que tu bannisses cette confusion au milieu d'eux. Je t'invoque, oh Seigneur. Ils n'apporteront pas les soucis dans cette famille. Oh Dieu, ne permets pas que mes ennemis puissent se moquer de moi. Que ma famille soit réellement en paix. Je t'en supplie, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Seigneur. C'est déjà allé un peu trop loin. Mon propre frère qui essaye de m'arracher mon droit de naissance à cause d'une stupide tradition. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment dois-je m'y prendre et gagner? La tradition, le Igwe, l'Edi Rebiri, ils sont tous derrière lui. Et moi, je suis tout seul. Je ne peux pas introduire ma mère dans ce genre de problème. Et ma tante également. Comment dois-je m'y prendre? Et je ne peux non plus perdre. Si le cas sera... Non. Chérie, dépêche-toi à finir ton repas pour que tu ailles au village. D'accord? Oui, mais je dois d'abord aller voir ma mère. Mm-hmm. Mais tu ne peux pas voir ta mère avant de partir. Et chérie, rappelle-toi qu'aujourd'hui c'est le 3e jour. Et elle peut être une distraction pour toi. Et finalement, elle fera de Chibogo le premier fils. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. S'il te plaît. Si tu vois, je vais... Mais qu'est-ce que tu veux dire? Chérie, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux que les gens disent que ton père n'a pas laissé d'enfant? Il a un fils et tu as encore en vie. Doran le heureux. Tiens-toi pour ton droit. D'accord? C'est tout ce que je voudrais que tu fasses. Ça, c'est une loi qui a été établie par les chefs et les notables. Et tu es celui qui a été choisi. Tu dois te tenir et combattre pour ton droit. C'est juste que je ne veux pas que quelqu'un commence à... Nous n'allons pas parler de ça maintenant. Tout ce qui est important pour toi, c'est d'être prêt à les challenger et combattre pour ton droit. Qui est? Je préfère que tu finisses de manger et que tu ailles au village, voir le roi et puis... Il va mieux t'en parler, d'accord? Fais vite, vas-y.
Chérie, s'il te plaît, dépêche-toi de finir ton repas pour que tu ailles au village. D'accord? Oui, mais je dois d'abord aller voir ma mère. Mais non, tu ne peux pas voir ta mère avant de partir. Chérie, rappelle-toi qu'aujourd'hui c'est le troisième jour. Elle pourra être une distraction pour toi. Et finalement, elle rendra Chibobo heureux. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. S'il te plaît. Bien, si tu vois, je vais... C'est pas comme si quoi. Chérie, qu'essaies-tu de faire? Est-ce que tu veux que les gens disent que ton père n'a pas laissé d'enfant? Il a un fils et tu as encore en vie. Rends-le heureux. Tiens-toi pour ton droit. D'accord? C'est tout ce que je veux que tu fasses. Ça, c'est une tradition qui a été établie par les notables. Et non toi, et c'est pour cette raison que tu as été choisi. Tu dois te tenir et combattre pour tes droits. C'est juste que je ne veux pas que quelqu'un commence à... Nous n'allons pas parler de ça maintenant. Tout ce qui est important pour toi, c'est d'être prêt à les challenger et combattre pour ton droit.
Pierre. Va au village et le chef et les notaires décideront très mieux. Est-ce que tu m'écoutes? S'il te plaît, mange. Mange. Tu sais que tu es des chambretas. S'il te plaît, mange. Vas-y. Everything you see has another side. What you call it, why could I choose leave it black? My brother, please be wise. Yeah, cause I know exactly the reason why I fight. But that isn't enough. Enough is just enough. Let's find the peace that resides within. And find a way to unite. And fight this thing together. Let's find a reason that is right. Not a reason that is wrong. Cause you were my brother and I am still your own. No matter what I try, we can supersize. Yeah, yeah, yeah. Cause we are still on blood. Oh, baby, one down, we really know. Oh, be a sheep. Quand tu allais te faire les graisses, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? C'est sorti de ma tête, non. J'avais oublié. Tu l'es, c'est comme ça que tu es toujours. J'ai dit c'est que comme j'étais désolée, non. Ok, désolée. Yeah, Chine, c'est même pas la voiture de Chibogo là-bas. Non, ce n'est pas Chibogo. Ça, c'est Arise, le choisi. Oh, c'est le jeune frère que Igwe et Jibéberi ont placé comme le secrétaire de leur père. Oui, c'est lui. Hey, ça, c'est même quoi, non? Comment le frère ne peut être mis de côté et le petit frère vient prendre sa place? C'est la raison pour laquelle le corps du cheval balancé est toujours à la mort depuis 2 mois. Maintenant, Chibogo refuse que son frère le remplace. Et Chiribiri dit que Arise est le premier fils à balancer. Tu t'en rends compte? Je pense que nous devons mettre fin à ce genre de tradition. Cette tradition apporte la guerre et la haine dans les cœurs. Ma chérie, tu sais quoi? Ce n'est que dans le royaume de Odoma que cette tradition s'applique. Je n'ai jamais vu ce genre de choses dans ma vie. Allons-y, John. Suis-je vraiment sûr que c'est ce que je fais? Suis-je vraiment prêt pour ça? Non. Non, je ne suis pas. Mais je ne peux pas avoir fait toute cette longue distance pour venir baisser les pressions. Je ne le suis pas. Je ne suis pas encore prêt pour ça. Il y a un problème? C'est exactement ce que nous allons faire. Tout à fait. Oui, Igwe. 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 Je salue Igwe. De notre grand royaume Odoma. Je vous salue. Bienvenue. Tu es le vrai fils du chief. La réplique du grand Definitive Justice à Balance. Tu es celui que nous attendions, fils et membre de la fraternité Ojeriberi, du puissant royaume d'Odoma. Bienvenue chez toi. Assieds-toi. Merci, Majesté. Que votre règne dure à jamais. Comme vous le savez tous, mon père, un membre du conseil royal de ce royaume, est décédé. Je suis venu officiellement vous annoncer en tant que fils aîné de mon défunt père pour qu'on me dise ensuite ce que je dois faire. Une fois de plus, sois venu mon fils. Et Kiolaga t'amènera dehors et te dira tout ce qui sera nécessaire pour les obligations et les rituels. Et Kiolaga, s'il te plaît, amène-le dehors.
Igwe. Arrêtez. Suis-moi. Igwe. Alenze, avant qu'Agua Alenze soit enterré, tu dois te présenter chez Igwe avec deux grands bœufs, 21 colas, 7 bouteilles de gin et 7 boucs. Ils seront utilisés pour le rituel en ta cause. Et après cela, tu deviens membre du Djembéré. Et c'est après cela qu'Agua Alenze pourra être enterré. Il faut qu'un Ejiribiri enterre un Ejibri. Ah, si je comprends. Cela veut dire que je devrais plutôt rentrer en ville pour me procurer ces choses. Non, 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 tu n'as pas besoin de le faire. Donne-nous une somme d'argent équivalente ou un chèque. Ensuite, après 3 jours, reviens dans ce palais et tu seras officiellement déclaré comme membre du Ejiribiri. Ce n'est pas un problème. Allons dans ma voiture et je te signe le chèque. Allons-y. Je le signe au nom de... Je vais te donner le nom. Ok, ok. Il a fait quoi? Dieu, c'est pas vrai. Tu veux dire? Ok. Merci. Ok. Merci. Chérie, est-ce qu'elle est froide, Igwe? Oui. Mon Dieu, qu'allons nous faire maintenant? Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Chérie, où vas-tu? Chérie? C'est pas vrai. Chérie, où vas-tu? T'inquiète pas, je vais bien. S'il te plaît, dis-moi où tu es en train d'aller. Ta mine est terrifiante. Ne pas faire quelque chose que tu pourras regretter plus tard. Je vais bien, ok? Je vais rien faire de stupide, d'accord? T'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir le Igwe et les Djiribiri pour se présenter comme le premier fils de cette famille. C'est un mensonge. Il leur a même déjà donné de l'argent pour qu'ils achètent tout le nécessaire pour le rituel. Pour qu'il intègre parmi les Djiribiri. Chibougo, tu me déranges. Arrête de blaguer maintenant. Maman, moi je blague. Oui. Moi blaguer. Je te parle de ce qui est en train de se passer maintenant. Tu dis que je blague. Qui aimerait ce genre de conneries? Hé, mon Dieu. Ce n'est pas possible. Oh mon Dieu. Ils ont eu mon fils. Kimbo, il est very fort, Kimbo. Et c'est maman qui m'a fait chose pareille. Écoute, maman, Pico, c'est pas le moment de pleurer. Je suis venu ici pour te dire que Arise a déclaré la guerre. À partir de maintenant, nous ne sommes plus des frères. Tout ce qui arrivera à Arise, dit aux gens qui ne sont pas responsables. Ok, Nanou, qui ne sont pas responsables. Pico, ne fais pas ça, je t'en supplie. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes. S'il te plaît. Tu es mon premier fils, l'aîné de cette famille. Un aîné est doué de patience et de sagesse. Maman, non. Maman, ne me touche pas. Arise a signé pour la guerre. Et j'accepte de le combattre. Compris? Et je m'en fous de la durée. Parce que si j'étais là-bas, viens, Toro Kirimi. Mana Roubem, Arusa Manounou. Arusa Banimou, c'est un grand enfant. On va voir. On va bien voir. Chibougo Genève. Maman est bien. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Hey! S'il te plaît, ne fais pas ça, mon fils. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Hey! Chibougo, tu t'en vas vraiment? Chibougo est vraiment parti. Oh, ça c'est même quoi comme ça, non? C'est même quoi ça?
Mes ennemis ont réussi, mes ennemis ont réussi. Amaka! Amaka! Oui, maman. Où est Jules? Il doit être à l'intérieur. Va lui dire d'apporter la clé de la voiture, va m'amener quelque part, ok? Ok, maman. Prends soin de la maison. Cours, cours! Ok. Hey! Oh mon Dieu! Mes ennemis m'ont eu, oh! Madame, je suis là. S'il te plaît, apporte la clé de la voiture, tu m'amènes quelque part. Désolé, voici ça ici. Ok, allons-nous-en. Ma petite chérie, tu as devant toi le tout nouveau et le plus récent membre du conseil royal du royaume de Doma. Tu vois, tu es en train de regarder le membre le plus récent de la fraternité la plus estimée, la fraternité et du rébellé. Tu vois, c'est de ça que je parlais. C'est exactement ce que je voulais. Oui, je le sais. Tu sais, cette nouvelle exige une célébration. Pour cette raison, nous allons porter un toast à la santé. Maman, que fais-tu ici? Maman, tu n'es pas supposée sortir. Tu es supposée rester chez toi jusqu'à ce que papa soit enterré. Que fais-tu ici? Arunze, une femme dans la maison se brûle, ne part pas à la chasse. Qui a la maison en feu? Et de quoi parles-tu? Arrêtez ce feu. Ta femme et toi. N'essaye même pas de mentionner mon nom. On n'appelle plus mon nom. On n'y a pas qu'on n'y est pas. Hé, ma mère, tu vas la fermer. Est-ce que tu sais que c'est à ma mère que tu t'adresses comme ça? Et plus quoi? Je m'en fous d'elle. Je vais lui parler comme je veux. Qu'y a-t-il? Qu'ai-je fait? Que lui ai-je fait de mal? Tu as poussé ton mari à déshériter son frère. Tu es responsable de ses mauvais comportements. C'est ce que tu as fait contre moi. N'ose même pas. N'ose même pas mentionner mon nom. Parce que quand ton mari et toi vous aviez accepté Chibogo, vous n'aviez pas su qu'un jour comme celui-ci allait arriver. S'il te plaît, je t'en supplie au nom de Dieu. N'essaye plus de mentionner mon nom dans cette histoire. Margaret, c'est assez. Si tu sais, tu peux déjà aller dans la chambre. Ça ne suffit pas. Je ne suis pas dans la chambre. Je n'irai pas dans la chambre. Je n'irai nulle part. Je pense qu'il est temps que je dise à cette femme la vérité. Mais quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'elle mentionne mon nom? Margaret, je n'ai même pas le temps pour ces stupidités et ces bêtises. Arise, si tu sais que tu as été allaité par ces saints, je veux te voir à la maison familiale dans les 20 prochaines minutes. J'espère que tu m'as entendu. Saint mon œil, n'importe quoi. Pardon. Thank you.
sortir de cette maison. Qu'est-ce qui t'a pris, Margaret? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Pourquoi une soudaine agressivité? Il est temps de faire face à la réalité. Ta mère doit arrêter de te contrôler comme si tu étais un enfant. Mais elle est ma mère. Et puis alors quoi? Même si c'est ta mère ou peu importe comment tu l'appelles, cela ne lui donne pas le pouvoir de contrôler ta vie comme elle veut. Et que tu as déjà une femme et des enfants. Elle doit arrêter de te contrôler comme ça. Tu as ta part de vie à vivre. Mais tu non, sais... Non. Je ne veux rien entendre. Que ce soit dans les rêves ou la réalité. Tu es le premier fils du défunt chef Abalanze, qu'on le veuille ou pas. Et absolument personne ne peut rien contre cela. Que tu le veuilles ou pas. Maman, que mes rêves mangent. Je n'ai pas faim, merci. Je vous apporte de l'eau. Pour l'amour de Dieu, laisse-moi tranquille. Désolée, maman. Il n'est pas venu aujourd'hui. Tu veux pas la dire que Arise n'est pas venu dans cette maison aujourd'hui? Non. Devrais-je vous apporter quelque chose à manger? Apporte mon téléphone s'il te plaît. C'est quoi ça? C'est maman qui appelle. Quoi? S'il te plaît, ne réponds pas à cet appel. Tu sais déjà pour quelle raison elle t'appelle. S'il te plaît, éteins ton téléphone. Margaret, tu sais que c'est de ma mère dont on parle là. Oui, je sais que c'est de maman qu'il s'agit. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais la raison pour laquelle elle t'appelle. Éteins ce téléphone. Elle veut juste être une distraction pour ce qui va se passer demain.
Et chérie, rappelle-toi que demain, c'est le troisième jour, tu vas être initié dans le Ejiri Berry. S'il te plaît, éteins-moi ce téléphone. Ça sonne, mais personne ne décroche. Oh mon Dieu, je fais qu'il est ici. Oh chérie, s'il te plaît, éteins-moi ce téléphone. Éteins ce téléphone, s'il te plaît. Qu'est-ce que je te pose? Chérie, s'il te plaît, éteins ce téléphone. Éteins. Qu'est-ce que tu fais? Ok, je vais éteindre. S'il te plaît, éteins ça. Éteins son téléphone quand je l'appelle. Comment se peut-il que mon dernier fils ne décroche pas son téléphone lorsque je l'appelle? Arrête de pleurer. Mon propre frère. Mon frère de sang. Au lieu d'être avec moi pour combattre ces gens, il me poignarde dans le dos pour prendre mon droit de naissance. Arise m'a détruit. Crois-moi, je sais ce par quoi tu passes. Mais sache que tu n'es pas seul face à ce problème. Ton père est mort et a tout laissé. C'est pas lui qui l'a voulu, mais c'est Edjibri qui l'a voulu comme ça, peu importe. Donc, tout ce qui arrive, prends-le avec calme. Ce sera mieux. Sèche-moi tes larmes. Chérie. Je ne pleure pas parce que je suis intéressé par les biens de mon père. Oh non, j'en ai assez. Je ne pleure pas parce que je voulais entrer dans la fraternité des Utibrés, bien que je déteste leurs coutumes. Je pleure parce que je vais entrer en guerre. Et mon adversaire, c'est mon propre frère. Ma chair et mon sang. Et tu sais bien que, en guerre, il y a une seule personne. Une personne doit tomber. Chérie. Obéré un amour, il y a nous. Obéré un amour, il y a nous. Obéré un amour, il y a nous. Obi ke shigi ke kimara ayo echem nai bofue. We used to be brothers, loving one another, and everything was right, and nobody was crying. But now I don't understand, we don't see eye to eye. What is going on, my brother? I don't know. No matter what the time, I believe in love. We can fix the unity once again for real. Like yesterday, you were my brother for real. But right now, I don't understand exactly what is on. But if you have decided, ce jour, je te déclare, Arenze, Justice, Abalanza.
membre du conseil sacré des décisions du puissant royaume de Doma. En tant que Jeregiri, en remplacement de ton père, le défunt Chief Justice emmène encore à Balanza. Un fils veille pour devenir un père. Tu es le premier fils du défunt Chief. Et à ce titre, le seul héritier de tout ce qu'il a pu avoir lorsqu'il était vivant. Bienvenue. Bienvenue dans le conseil sacré de décision. Bienvenue à la royauté. Bienvenue. Sais-tu que la réunion d'initiation du fils de Baranze a lieu au palais maintenant? Donc finalement, Chika Baranze sera enterré. Je me demande ce que Chibogo fera. Maintenant que son petit frère a pris sa place. Seul Dieu sait ce qui se passe à cette fête maintenant. Quelle fête? La fête est seulement pour Igwe et Ichiribe. Pas d'amis, pas d'invités surprises. Tous les jours, Ogun essaie de faire partie des leurs. Ha! Tu veux dire que la cola et le vin seront bu et mangés par eux seuls? C'est ça alors! Ah! Je lui ai un secret. Ne les gérons pas. Ah! Allons-nous-en. Chibogo, mon fils. Maman. Tu es mon premier fils, l'aîné de cette famille. Je t'en supplie, s'il te plaît, j'aimerais que tu pardonnes à ton frère. Même s'il a décidé de prendre toutes choses, Bikomwa, il ne voulait pas la guerre contre toi. S'il y a des gens à qui tu dois en vouloir, c'est nous, tes parents. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est la nôtre. Ceux qui t'ont causé des frustrations et des peines, c'est nous, tes parents. Bikomwa, je t'en supplie. Ne fais pas comme si c'était Arinze. Il est ton petit frère. Biko, Nayor Yakaio. Maintenant que ton petit frère a été choisi pour représenter ton père dans la fraternité de Jiribiri, s'il te plaît, peu importe ce qu'il choisira, j'aimerais que nous lui obéissions. Tu ne lui obéis pas parce que tu ne sais pas quoi faire, non. Non, tu es mon premier fils. Tu dois lui obéir parce que je veux la paix dans cette famille. Est-ce que tu m'écoutes? Je t'en supplie, Biko, s'il te plaît. Chérie, tu as en face de toi le tout nouveau, le plus récent et le membre le plus jeune de la fraternité. Et Jiribiri, du royaume de Doma.
Iche Arinze Cosmos Abalance Odogu. Oh chérie, fais-moi confiance. Tu es très beau dans ce costume. Oh, merci beaucoup. Ah, chérie, tu sais quoi? Nous allons célébrer ça. Et tu sais quoi? C'est la puissance de la destinée. Je le sais. On y est chukutilogo. Ugokora logo. Chérie, s'il te plaît, allons à l'intérieur. Ah, chérie, je suis très émue aujourd'hui. Oui. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour comme celui-ci arriverait. C'est justement le travail de Dieu. Chérie, ne t'inquiète pas, ne prête pas attention aux jaloux. Je sais qu'ils sont tous jaloux de toi. Et ils m'appelleront par mon nouveau nom. Tous les deux. Iche, Arinze, Cosmos, Abalance. Amy, lol. Maintenant que tu as fait ce que ta sorcière de femme voulait que tu fasses, j'espère que tu es heureux. Maman, que voulais-tu que je fasse? Que je laisse le corps de papa non enterré pendant une décennie? Maman, tu t'es même imaginé une seule fois que Jiribiri changerait la décision juste à cause de Chibugo? Non, maman, tu es mieux placé. Tu es mieux placé pour le connaître. En passant, ce n'est pas ce qui m'amène. Alors pourquoi es-tu là si je peux le demander? Bien, maman, je vais aller rencontrer le Igui et fixer la date du deuil de papa. Tu es fou? Mais tu as perdu tes sens. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision dans cette maison. Maman, mais Chibugo n'est pas prêt. Il ne veut pas que papa soit enterré. Ok? Donc je vais me rendre là-bas et fixer une date pour l'enterrement de papa. Cela ne change rien. S'il est prêt, si ça l'intéresse, qu'il se joigne à moi. Arinze, écoute ce que tu racontes. Tu écoutes ce que tu racontes? Maman, je ne dis que la vérité. Quelle vérité? Quelle bêtise de vérité? Écoute-moi, écoute très bien. Ok. Chibugo est le premier fils dans cette maison. Si tu veux, tu peux te présenter ainsi devant le Igwe et la fraternité de Jiribiri comme premier fils. Mais la vérité demeure que Chibugo est mon premier fils. Maman, pourquoi raisonnes-tu comme ça? Je parle comme ça parce que je dois te dire la vérité. Chibugo est mon premier fils. Il a le droit de décider quand est-ce ton père sera enterré et non toi. Tu es son petit frère. Maman, de quoi parles-tu? Hey! Va le voir pour en discuter avec lui. Ne me donne pas tes raisons ici. Bêtise. Que j'allais voir Ekosa avec lui. Chérie, ne me dis pas que tu ne te sens pas bien à cause de ce que ta mère a dit. Parce que, selon moi, son opinion ne compte pas. Bien. Bien, est-ce moi qui institue la tradition? Non. Suis-je celui qui leur a demandé de l'accepter comme une erreur? Bien sûr que non. Merci, merci. Chérie, je pense que tu as assez donné de respect à ces gens. Tu ne dois aucune explication. Tout ce que tu as fait, c'est d'aller auprès de Igwe et Odjubri. Et arrêter un jour pour les funérailles de ton père. Pour que vous puissiez enterrer ton père, c'est tout ce que tu as besoin de faire. Je ne t'ai même pas encore né. Je ne t'ai même pas encore né lorsqu'ils ont mis cette tradition sur pied. Je ne l'étais pas encore. Je ne t'ai pas encore né lorsqu'ils la concevaient. Et pourquoi c'est moi le problème? Pourquoi tout le monde? C'est la jalousie. Ton frère est simplement jaloux de toi. Et cela est la vérité. Il est seulement jaloux de toi, ne le vois-tu pas? J'étais même pas là, hein. Comment tu vas? Bien. Chérie, tu savais que le programme des obsèques des papas est déjà sorti, mais tu ne l'as pas dit. Que vas-tu dire? Regarde. Quoi? Il s'est même fait passer pour l'hôte des obsèques et le premier fils de papa. Tu veux dire que tu n'es pas au courant de tout ça? C'est ma toute première fois de voir ceci.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le programme des obsèques de ton père. Alors ton fils et toi, vous vous êtes arrangés pour faire les obsèques de papa? Ça, moi, je le demandais. Non. Hein? Je suis maintenant l'étranger dans ma propre famille. Ce n'est pas ça. Ton frère est venu ici et je lui ai demandé de venir te voir pour faire une réunion afin de voir comment il faut faire pour enterrer votre père. Et tu es l'aîné de cette famille. Il n'a pas le droit d'en décider. Attends un peu. Tu veux dire que tu n'es pas au courant de tout ceci? Je suis au courant, mais j'ai pensé que c'était d'un commun accord entre ton frère et toi. Quel accord commun? Quel accord commun qu'elle a mentionné là? Regarde! Il a bien mentionné là comme étant le chef de Tiberia. Il a mentionné comme étant le premier fils à papa. Tu le savais? Igo Chelou, quoi? Oh, Chelou. Écoute, je sais qu'il a fait ça sous la pression de Igwe et la fraternité de Djiribiri. À quoi pensais-tu, maman? Il fallait m'appeler. Ton téléphone, il est là. Il fallait m'appeler. Je... Tu croyais? Tu croyais quoi? Parle, dis-moi, parle! Je... Votre plan a marché. Tu peux être maintenant contente. Tu peux être contente maintenant. Chibuko. Vous aurez de mes nouvelles. Quelqu'un va entendre parler de moi. Chibuko. Chibuko. Donc, Madame Ponce, de combien de sacs pourrons-nous avoir besoin? Par rapport au nombre de personnes qui seront là. Donc, est-ce que 5 sacs pourraient aller? Ah non, 5 sacs c'est un peu trop non. Considérant le fait qu'on aura aussi d'autres nourritures, 5 sacs c'est un peu trop non. Chérie, les funérailles de papa doivent être extraordinaires, c'est ce que le Igweta dit. Écoute, Amaranze, ça doit être l'igname de la maison et des étrangers. Je le sais. Nous devons faire que ces funérailles soient une réussite. Allô? Arunze, alors après tout ce que je t'ai dit, tu allais faire le programme du deuil de ton père comme tu veux sans informer ton frère? Maman, Chibuko n'est pas prêt que papa soit enterré. Il n'est pas prêt pour que notre père soit enterré. Donc, le lui dire non ne fait aucune différence. Tu vas te taire? Est-ce que tu comprends que Chibuko est mon premier fils? Ton grand frère? Tu es son petit frère et non l'aîné de cette famille. Qu'en vas-tu faire après cela dans ta tête? Comment tu peux faire cela? Aller faire le programme du deuil de ton père sans le consulter et tu l'as posté sans le lui dire? Tu te prends la tête comme l'aîné de cette famille? Qu'est-ce que ça veut dire? Es-tu satisfait? Rends ton frère esclave dans la maison de son père? C'est la folie ou quoi? Maman, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ok? C'est la tradition. Je l'ai trouvé comme ça. La tradition l'a établie et je suis né comme ça. Cette tradition était instituée avant même que je ne naisse. Que Dieu détruise ces racines de tradition en toi. Laisse-moi t'avertir. Tu es Kangwere. Ce que cette soi-disant épouse cherche de toi, elle aura. Ne t'en fais pas. Maman, pardon, je vous avertis déjà. Vous devez laisser ma femme en dehors de ça. Laissez-la en dehors de ça, oh. Ah, c'est pas le problème. Je ne mentionne pas ta femme, n'est-ce pas? D'accord, merci. N'importe quoi. Qu'est-ce que maman disait? Pardon, laisse ça. Continuons avec ce qu'on faisait. Quand je disais avant que je me soive l'appel, laissez ça.
Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? La ferme! Hey! Retourne dans ce chêne! Hein? Hey! Hein? Hey! Hey! Où tu vas rester là? Récupère son droit. Ah, s'il ne récupère pas son droit, il n'y a pas d'enterrement. Qui a l'office aîné de qui? Hein? Qui ne dérange pas les gens? Que vais-je faire maintenant? Tu te sentais un peu, non? Les grands savent que mes amis, j'ai invité tout le monde, tous mes amis. Je laisse tous invités. Ah oui. Essaie de te calmer. Calme-toi. Je crois que ce que nous devons faire, c'est de nous asseoir et débattre de ce problème. Oui, entre oui, c'est ça. Oui, c'est oui. C'est un carnet. Faut d'avoir un bon nom. Amarabo! Amarabo! Chibuko! Hey! Allô, je m'appelle Igwe Ozoroba 60, du puissant royaume de Douma. Je sais qui vous êtes. J'ai votre numéro dans mon téléphone. Qu'est-ce qui t'a donné le droit de faire ce que tu as fait? De profaner le corps d'un membre de la fraternité de Digiri? Le corps de mon feu père est avec moi. Comment oses-tu dire de telles choses dans mes oreilles? Tu penses que tu peux changer les traditions qui existent des siècles avant que tu ne naisses? Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Tout ce que je sais, c'est que Tifa Balance a été mon père biologique. Tu ne seras jamais son fils. Tu es et demeures une erreur. Igwe, je suis venu dans ce monde de la même façon que tout le monde.
Un homme et une femme se sont connus et j'ai été mis au monde. Ils ont décidé de prendre en charge cet enfant. Ils ont décidé de se marier. Ils ont décidé d'appeler ce nouveau-né fils. Alors pourquoi avez-vous osé faire des erreurs? Hein? Ai-je décidé de naître le premier? Ah, écoute-moi. Je vais faire semblant de ne pas écouter ce que tu as dit. Je te fais une sommation en tant que le héros de ce grand royaume. Je te donne juste 2 heures pour ramener le corps du définitif à Balanzé. Vous aurez affaire au roi. Vous n'avez pas besoin de me donner le temps pour faire cela, Igwe. Si vous voulez que mon père soit enterré, alors déclarez-moi comme étant le fils du Tif Abalanzé en présence de tous ces membres de la fraternité. Au cas contraire, même si cela prend l'éternité, même s'il faille que ça me coûte la dernière goutte de mon sang, personne ne verra le corps du défunt Tif. Passez une bonne journée. Quoi? Bâtard! Tu penses que tu veux tenir tête à la fraternité Jedbri? Qu'allons-nous faire maintenant? Puisque la net ainsi, cet enterrement est annulé! Oui. Oui. Jusqu'à ce que toi retombes. Ça, c'est du jamais vu, oh. Ma soeur, de toute ma vie, je n'ai jamais entendu un tel truc. Je préfère ne pas être témoin de quelque chose d'aussi honteux et embarrassant comme ça. Imagine la honte. Tu peux imaginer le conseil du roi, l'entourage royal et les membres du gouvernement. Et tout le monde était dépassé. Qui a quoi? Hey! Chibougou et Arusé ont donné à leur défunt père le coup du dernier déshonneur avant qu'il ne soit enterré. Mais ça c'est terrible. Hey! Chibougou, où es-tu? Je veux te voir maintenant. Maman, tu ne peux pas me voir. Chibougou, Abumnegi, je suis ta mère et j'insiste de te voir maintenant. Désolé, mais c'est impossible. Personne ne peut me voir. Le seul moyen qui te permettra de venir où je suis, c'est qu'ils changent d'avis. S'ils m'appellent pour me dire qu'ils sont prêts à me donner ce que je veux, bien, je sortirai. Si c'est pas le cas, personne ne me verra. Personne ne pourra me voir. Je ne sortirai pas même si tu t'es mettais à pleurer. Chibougo, Oifiko, c'est ce que tu as dit? Ok. J'aimerais te remercier beaucoup de la manière dont tu as déshonoré ton père aujourd'hui. Merci beaucoup. De rien, maman. Chibougo, Chibougo, mon Dieu te remerciera. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Femme, c'est sa femme. Bonjour, madame. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Nous cherchons votre mari, monsieur Chibougou Abalanzé. Désolé, il n'est pas là. Menteuse. Menteuse, je sais qu'il est là. Il est là à l'intérieur. Officier, fouillez. Désolé, madame, nous devons fouiller cette maison. Voici le mandat de perquisition. Fouillez la maison. Fouillez-le partout. Fouillez-le dans les toilettes. Fouillez-le dans les penderies. Dans toutes les chambres. Partout. Ton mari et toi, pensez que vous pouvez vous amuser avec moi. Moi, Rusé, vous ne pouvez pas me faire ça. Je vais vous traiter. Ce n'est que le début. Je vais vous traiter. Vous n'avez encore rien vu. Nous l'avons cherché partout. Nous ne l'avons pas vu. Et nous ne pouvons pas rester longtemps. Là, nous devons partir. Dans ce cas, nous devons arrêter la femme. Officier, vous devez arrêter sa femme. Je sais qu'il se cache. Je sais qu'il se cache. Et la seule façon de le faire sortir de dans son sang-trou, c'est de l'arrêter.
Vous pouvez avoir raison. Je n'ai pas peut-être raison, il sait de quoi je parle. Officier. Monsieur. Arrêtez-la. Arrêtez-la. Monsieur. Avance. Il a dit que je viens vous chercher. Ok. Merci bien. Au revoir. Attention, reflet. Allez, toi, entre en premier. Voilà. Tu peux entrer. Oui, j'étais au poste de police. Nos enfants ont été kidnappés. Attends, je te rappelle. Quoi? Nos enfants ont été kidnappés par Chibobo. Quoi? Oui, j'ai parlé avec le portier. Il a dit que c'est lui qui est venu les prendre de l'école. Il a fait quoi? Oui. Qu'est-ce que mes enfants ont à y voir? Que t'ont-ils fait? Et qu'est-ce que ma femme t'a fait? Tu as ma femme, j'ai tes enfants. Je n'ai pas ta femme, c'est la loi, la police qui détient ta femme, pas moi. Ils ont ta femme. Les kidnappeurs ont tes enfants et pas moi. Oh, est-ce un jeu ou quoi? Chibugo, est-ce un jeu ou quelque chose? Donc, dis-le-moi. C'est toi qui as joué la première balle à Ruizé. Tu as joué la première balle. Oh. Ok. Maintenant, je te le dis, Chibugo. Je veux mes enfants. Je veux récupérer mes enfants. Ok? Remets-les-moi. Maintenant. Tu relâches d'abord ma femme. Si j'ai ma femme, alors tu auras tes enfants. Bye. Chibugo. Je vois. Arise, relâche ta femme ou appelle le commissaire pour qu'il relâche sa femme. Est-ce que tu vas la fermer? Arise, je veux pas perdre mes enfants. Quand tu vas fermer, je devrais appeler le commissaire. C'est toi qui as tout commencé. Tu vas pousser à la faire. Tu vas pousser avant des problèmes avec ma famille. C'était toute la faute à la tienne. Non, je ne devrais pas te blâmer. Je ne devrais pas te blâmer. Tout est de ta faute. C'est toi qui m'as incité. S'il te plaît, fais quelque chose pour qu'on relâche sa femme. Moi, je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, chérie. Il y a du nouveau? Pas vraiment. Écoutez, je veux que la femme de mon frère soit relâchée. S'est-il présenté? Non, c'est bon. Vous voyez, le chef de famille veut que ça se résolve à l'amiable. Il veut que ce problème soit résolu en famille. C'est mieux. Vous voyez, les problèmes de famille doivent être résolus sans y impliquer la police. Vous avez raison. Il n'y a rien d'aussi précieux que la paix. Nous allons la relâcher avec effet immédiat. Ah, merci. Il n'y a pas de problème. Merci. Chérie, elle a été relâchée. Ils l'ont relâchée. D'accord. Tu dois alors appeler Chibogo pour qu'il relâche aussi nos enfants. Non. Quoi? Je ne vais pas l'appeler. Mais pourquoi? Une fois qu'il fera sa femme, il les relâchera. Mais tu dois l'appeler, non? Je l'appelle pas. Je ne vais pas l'appeler une fois qu'il verra sa femme, il relâchera mes enfants. Chérie, laisse ce que tu dis. Appelle-le pour qu'il relâche mes enfants. Je parle ton foutre d'esprit. On quitte le pays immédiatement. On s'en va et on s'en va. Ça, c'est quoi?
Dans quel genre de pécrin es-tu en train de te fourrer comme ça? Les frères se font déjà la guerre entre eux. Qu'est-ce qu'il y a, non? Hein? Il a voulu la guerre. Il aura cette guerre. Allez, viens. Entre, entre. Viens. Entre, entre. Mouné! Monsieur! Ouvre ce portail! Oui, monsieur! I was born by a woman. Arise, tu vois là qui il est. Tu vois là qui il est. Mes enfants ne sont pas encore entrés. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux pas que quelque chose arrive à mes enfants. Oh. Chibuko. Chibuko, il faut bien s'amuser avec moi. Ok. Oui. Chibuko, pourquoi n'as-tu pas honoré ta part du marché? J'ai relâché ta femme. J'ai changé d'avis. Quoi? Quoi, Chibuko? Que veux-tu dire par tu as changé d'avis? Hein? Ça veut dire quoi tu as changé d'avis, Chibuko? J'ai réalisé à quel point tes enfants te sont très précieux. Je viens de le réaliser. Tu as également emporté au loin ce qui m'est cher. Très très cher. Alors, j'ai décidé de faire un marché. De quoi à quoi? Hein? De quoi à quoi? Écoute-moi très attentivement. De un, le jour où tu incluras la police dans cette affaire, ce jour même tes enfants mourront. De deux, tu appelleras le Igwe. Et tu lui diras que tu Et tu décides de me rendre ce qui m'appartient de droit. De trois, dès demain, tes enfants n'auront plus ni à manger, ni à boire. Alors si tu veux mettre fin à ce problème, fais ce que je t'ai dit. Et tu auras tes enfants. Chibuko, tu es un monstre. Tu es un monstre. Je n'ai jamais su que tu étais une bestia. Je n'ai jamais su que mon frère était un monstre. Chibuko, tu es un monstre. Je te remercie beaucoup. En fait, je viens de changer encore d'avis. Ton délai commence aujourd'hui. Quoi? Non! Bye. Chibuko! Merde! Arise, fais exactement ce qu'il t'a demandé de faire. Ou quel que soit ce qu'il t'a demandé de faire, tu vas le faire. Parce que je ne veux pas que quelque chose arrive à mes enfants. Quel est même ce genre de problème? Quel est même ce genre de problème? Je n'ai jamais su. Chibuko est un monstre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne pige rien. Oui, tu dois retourner au palais et dénoncer à tout ce qu'on fait là-bas. Maman, je veux mes enfants. Chibuko! Chibuko, remets-moi mes enfants! Ah oui, je ne peux pas te garantir ce que tu demandes. Il faut, je veux que vous compreniez ma position. Igwe, si j'avais su. Igwe, si j'avais seulement su que ceci nous conduirait à cette fin, je ne me serais jamais impliqué dans tout ça. Igwe, je vous en supplie. Je vous en supplie, faites-le pour moi. Il y a encore autant possible sur le chemin que tu as emprunté. La seule chose qui peut déterminer ta sortie de l'égérébrie est la mort.
Aussi longtemps que tu respires à Renzi, tu demeures membre du conseil de décision. Ivoine détient mes enfants. Il détient mes deux enfants. Ma seule source de joie. Vous comprenez? Ivoine, à quoi servirait Jérémy? C'est la vie de mes enfants est en danger. Ce n'est que mes enfants qui peuvent payer cette rançon égoïste. Arrête, tu as une option. Utilise alors les forces de sécurité. Ou mieux encore, utilise tous les moyens, tout ce que tu peux, qui pourra te servir pour le battre. Je te préviens, n'implique pas notre tradition dans tes problèmes de famille. Cette tradition, cette même tradition à laquelle vous vous référez, Igwe, m'a causé du tort. Elle m'a énormément causé du tort. Pas seulement à moi, mais à moi et à toute la famille entière, Igwe. Laisse-moi te le dire clairement. La vie de ton fils et de ta fille dont tu parles, c'est pas plus important qu'un million de fils et de filles. Ta femme est encore très jeune. Elle peut te donner d'autres enfants. Encore mieux, tu pourrais épouser d'autres femmes. Mais cette tradition que nos ancêtres nous ont léguée n'est pas à changer. Même pas la vie de mes propres enfants. Même pas ta vie. Maman. Maman. Maman, pardon, je veux que tu fasses quelque chose. Maman, tes petits-fils ont été kidnappés. Maman Chibougo. Chibougo réclame son droit. Et Igwe. Igwe insiste encore. Il préfère prendre le côté de la tradition. Maman, pardon, non. Miko, aide-moi seulement. Et en quoi est-ce que je suis concernée? Maman. Aruise, je t'avais prévenu. Hein? En fait, fais ce que tu veux avec ton frère. Si vous voulez, combattez-vous. Et faites ce que vous voulez. J'aimerais rejoindre mon mari. Regarde-le. Nous avons commis cette erreur ensemble. Maintenant, il se repose. Et je suis là pourtant, cette croix seule. Je suis fatiguée. J'ai commis une erreur, maman. Maman, appelle-le. Je veux que tu l'appelles. Dis-lui que j'ai tout abandonné, tout. J'ai tout abandonné, tout. Qui vient tout prendre, qui vient prendre bien. J'ai abandonné cette question de droit de naissance. Je ne suis pas le fils aîné. Il restera mon grand frère. Maman, tu sais comment lui parler. Tu peux même déjà lui parler. Maman, pardon. Arise. Pardon. J'aimerais rejoindre mon mari. Hey. Oh, mon mari. Maman, pardon, je me mets même à genoux. Oh, laisse-moi. Maman, pardon. Nous sommes en train de parler de petits-fils. Je suis en train de parler de tes petits-fils. Je n'ai plus besoin de petits-fils, non. Je suis bien comme je suis. Je ne peux pas. Maman, comment tu peux me dire que... Ok, je m'en... Gardez l'écoute. Tiens. Parle à ton père. S'il te plaît, fais tout ce qu'il te demande. S'il te plaît, papa. Ada, calme-toi, ok. Rien ne t'arrivera. Rien ne vous arrivera, papa. Ada. Ada, Kimobi. Maman vous écoute. Ada, est-ce que tu m'écoutes? Vous aimez tout parler. Sinon, vous allez mourir ici. Arise, comment les enfants? Arise, comment les enfants? Arise, comment les enfants?
va me lâcher. C'est toi qui m'as mis dans ce bazar. Tout est de ta faute. C'est toi qui m'as ici, t'as fait passer tout ça. Je veux pas mes enfants, je veux mes enfants. Alice, je veux pas mes enfants. Alice, je veux pas mes enfants. Je veux pas mes enfants. La réunion ne se rend pas. Tiens que le tien, voilà, ce n'est pas intérêt. Tu as raison. Mais Ikoué, nous savons tous ce que ce jeune homme endure présentement. Pourquoi ne pas... Ikoué, c'est trop Ikoué. Ikoué, je veux qu'on me remette mes enfants. Je renonce à Jiribiri. Je veux récupérer mes enfants. Je veux les récupérer. Je ne suis pas le fils aîné du chief à Balenze. Je renonce à cela. Que mon frère soit appelé ici et qu'il prenne ce qui lui revient de droit. Que celui-là. Je renonce à tout. Comment oses-tu commettre un tel sacrilège ici? Comment oses-tu? Veux-tu être frappé par la colère de... Igwe. Pardon. Exercez votre pouvoir avec miséricorde. Ce jeune homme endure énormément. Je suggère qu'on résolve calmement son problème. N'oublie pas que c'est toi qui occupe la place de ton père. Il faut que tu te calmes et que tu agisses sagement. Hein? Un enfant qui veut le fruit d'un arbre doit avoir assez de courage. Mmh. Je veux récupérer mes enfants. Je renonce à tout. Qu'on fasse appel à mon grand frère ici. Qu'il prenne... C'est qu'il revient de toi. Tout ce que je veux, Igwe, pardon. Igwe, pardon. Je vous supplie du fond de mon cœur. Je vous implore. Igwe, laissez-moi lui passer la main. Je veux tout remettre. Tout ce qu'on m'a donné. Tout. Je veux qu'il prenne tout cela. C'est mon frère. Il est mon frère aîné. Igwe, il est ma chair. Mon sang est ma chair, Igwe. Pardon. Pardon, s'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose que vous puissiez faire, pardon, Igwe. Faites-le. Vite. Igwe. Igwe. Que faisons-nous maintenant? Igwe, la tradition a été instituée par des hommes. Elle peut être aussi chargée par des hommes, spécialement lorsque la vie des hommes est en jeu. Allô? Qui est Amaka? Hein? Quoi? Comment? Comment? Ok. Qu'est-ce que c'est là encore? Je n'en peux plus. Laissez-moi aller retrouver mon mari. Rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Maman. Tout est en train de revenir à la normale. Tout est en train de revenir à la normale. Loïgwe et Jérémy, c'est leur conseil. Ils sont en train de voir comment tout remettre à Chimbugo. Ils veulent tout lui remettre. Ils veulent lui remettre son soin de naissance et tout. Tout ce qui lui appartient. On veut le lui remettre. Maman, tu dois être sa fille pour voir tout cela. Ah oui, tu veux me décevoir? Je ne mens pas. Pas du tout. Maman, je te dis la vérité. Je te dis toute la vérité. Maman, je ne mens pas. Est-ce que tu me dis la vérité? Oui, maman. Je ne veux pas que tu meurs. Pardon. Maman? Maman, qu'est-ce que... Dis-moi, comment elle va? Laissez-moi aller rejoindre mon mari. Je suis fatiguée.
Maman, arrête de dire ça, s'il te plaît. Ne parle plus comme ça, tu vas pas mourir. Personne ne va mourir, arrête de dire cela. Courage. Je suis navré. Je suis désolé pour tout. Tout ça, j'étais incité par ma femme. J'aurais dû te soutenir. J'aurais dû te soutenir quand tu te battais pour ton droit. Mais je n'ai pas. Pardon. Je suis navré. Pardonne-moi. Tu es encore mon frère aimé. Tu es encore le fils aîné. Tu es l'aîné. Tu es le fils aîné de notre père. Je suis désolé pour tout. Pardon. Je t'en supplie. Pardonne-moi. J'ai perdu tout ce qui t'appartient. Pardon. Pardonne-moi. Pardon. Parfait, pardon. Pardon. Aujourd'hui, je te remets ce que la tradition m'a donné. Tu es mon sang et ma chair. Chibougo, tu es venu dans ce monde avant moi. Je t'accepte donc comme mon grand frère et le fils aîné du feu Chief Abalanze. Tu es celui qui a été choisi. Mon frère, je te remets ma place dans la fraternité Ijiribiri. Tu as le droit de tout prendre. Cette chèvre sera tuée et son sang gravera dans nos mémoires qu'en ce jour, je t'ai remis tout ce que la tradition m'a donné. Que quelqu'un dise ici. Ici, que les chèvres soient tuées. Pour kidnapper une détention légale d'enfant. Vous avez également le droit de garder le silence parce que tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Officier, monsieur, arrêtez-le. Oui. Officier, je vous ai dit. Je vous ai dit que je viendrai régler ce cas dans votre bureau. Hein? Nous allons régler ce problème en famille. Personne n'a le droit de penser que la loi est de son côté. Officier, mais tenez. Il n'y a pas la loi. Il n'y a aucune loi. Nous avons réglé cela. Personne n'a le droit d'ignorer la loi. Nous devons l'arrêter. Et officier, ne t'en prie pas. Allez, non. Calme-toi. Je crois que je vais retourner. Je voudrais juste payer ma cause. Amenez-le. Commissaire. Amenez-le. Il avance. Allez, ça va. Ne cherche pas à les énerver. Ne le poussez pas. Ne le poussez pas. Il faut le faire. Ne le poussez pas. Ne le poussez pas. Ne pas le grand frère, j'arrive.